Et bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Voilà, comment on simule le fait que l'on vient tout juste de se rencontrer, waouh. Ouais, bien évidemment, on vient tout juste de s'appeler là. Jeu d'acteur sur 10. Salut Gripsou, salut David, comment allez-vous? Eh, il y a un truc que je t'ai pas raconté. En gros, donc je suis allé travailler cet après-midi entre 17h et 20h. Et v'là-t-il pas que je rentre chez moi. Parce qu'à un moment donné, il faut bien que je rentre chez moi, vois-tu. Et là... Ouais, parce que c'est bien de rentrer chez soi. Je prends mon petit ascenseur, j'arrive devant ma porte. Et là, je commence à mettre la clé dans la porte de mon appart. Et la porte est ouverte. Encore? Oh. C'est pas possible. Encore, j'aime bien ce... Encore? Mais attends, quoi? Mais tu laisses ta porte ouverte tous les jours, ça se passe comment? Mais et... c'est ça. Et ma porte était encore ouverte. Donc si à tout moment ce soir je crie ou alors je disparais de la caméra, c'est qu'il y avait bel et bien quelqu'un qui était rentré. Voilà. Mais c'est ravissant, ça dit tout. C'est ravissant, ouais. À tout moment, il n'y a plus de stream. Ou alors à tout moment, je fais le stream le plus long du monde parce que personne ne sera là pour l'éteindre. D'ailleurs, c'est quoi le stream le plus long du monde? Ah, c'est une très bonne question. Le stream Twitch le plus long du monde. Tac, 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 vient de prendre fin en 2021. Ok. Ah, mais en fait, c'est les marathons Twitch, je sais pas si tu vois ce que c'est. De spi, ouais. En gros, c'est les gens qui partent, qui font des streams, et à chaque sub, il y a 10 secondes qui se rajoutent sur le temps. Ah oui, ouais. Et... stream qui dure des... une durée indéterminée, qui sont tellement longs. Salut, David. Oui, oui. Comment t'arrives à lire le chat? Bah, je suis sur mon téléphone sur le live et je regarde le chat. Mais pourquoi y'a pas ton petit avatar dans ces gars-là? C'est rigolo. Bonne question. Un Didier au café, rentrer chez toi. Ouais, peut-être. Bon, on va passer directement sur le jeu. Allez, vas-y. On va voir si ça va fonctionner du premier coup. Et coucou Gripzouille. Chargement en cours. Je crois qu'on était lundi qu'il fallait qu'on aille chercher une nouvelle quête. Tu sais, au tableau. Je t'avoue que je me rappelle plus du tout. Putain, si on est lundi, soit j'ai une chance sur 7, soit je suis un génie. Eh bien, sache qu'on est mercredi. Ah. Bon. Tu n'es donc pas un génie. Est-ce que t'as reçu l'invitation? J'ai reçu l'invitation, mais je n'ai pas le petit bouton jouer, donc je vais te demander de m'envoyer le code. Je le copie-colle, je te l'envoie sur Discord, et puis je vais pouvoir mettre le jeu à tout le monde. Super. Hop. Vendredi à Koh-Lanta. Mais à Koh-Lanta tous les jours, faut arrêter. Hop. Alors, j'ai même plus ce qu'il fallait qu'on fasse ou quoi. Il pleut. Je t'avoue que je ne sais pas du tout. Alors déjà, j'ai reçu une lettre, c'est quoi? Bonjour Letty, merci de m'avoir aidé avec le poisson. La nature sait normalement maintenir son propre équilibre, mais parfois des facteurs extérieurs peuvent provoquer un déséquilibre. J'ai joint un plan en magazine scientifique qui est très intéressant. Ok, Dimitrius. Et c'est quoi ce plan? Est-ce que t'as reçu le même message? Alors, le plan, il est où? Nouvelle recette de fabrication. Ordinateur de ferme. Ok. D'accord. Il faut un gadget de nard. Mais oui, t'avais récupéré un gadget de nard. Je sais plus à quoi il sert. Je l'avais donné à Gunter. Ah, let's go. Bon. Bah, on va aller voir ailleurs. Pam, palam, pam. Je sais même plus c'est quoi les objectifs maintenant, là. Je sais pas. Déjà, on va prendre le chou-fleur. C'est cool. Tac, tac. Hop. J'essaie d'aller ranger un petit peu mon stuff. Merde, ça faut que ça soit en bas. Tac, tac, tac. Si, on a dit qu'il fallait qu'on améliore le poulailler, les bâtiments comme ça. Ah, bien vu. Bien vu, le type.
Je vais y arriver. Là, je m'en sors pas. Alors, au niveau des... Je sais même plus où est-ce que c'est rangé. J'ai encore pris l'habitude. Ça, ça va là. Ça, c'est ça. Ça, ça va aller par là. Un paratonnerre, je pourrais le poser. Et les artefacts, ils sont bien évidemment là. Je vais aller voir chez Robin pour faire améliorer le poulailler. Ok, ok. Faites donc. Qu'est-ce que ça va là ? La sève, ça va avec le bois. Charbon avec les minerais juste ici. Faut que j'aille draguer moi aussi d'ailleurs, la petite Léa là. J'ai pas fait encore de cadeau, est-ce qu'elle aime le fromage? Qu'est-ce qu'elle aime par-dessus tout? Le vin, la truffe. Fromage elle aime bien, je vais en donner hein. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Qu'est-ce qu'il y a d'autre à ranger? Je vais m'occuper des... Des appâts. Ok, ok. J'en ai 45, ça devrait être suffisant un petit moment. Paye-lui un voyage aux Maldives, puis elle sera contente, Léa. Non, mais Léa, elle aime pas les Maldives, elle aime bien être ici, tu vois. D'ailleurs, en parlant de Maldives, je me suis réinscrit à Parcoursup, et je me suis inscrit à La Réunion. Et j'ai vu que l'année dernière, toutes les personnes étaient prises à 100%, et je me suis dit, putain, ce serait trop bien. Ce serait trop bien si j'étais pris à La Réunion. Imagine, toute l'année, t'es à la plage. Ce serait incroyable. Alors, on a un petit problème. C'est fermé le mercredi ? Non, ça coûte 20 000. Et il nous manque du bois. Bon, ça, c'est pas vraiment bien grave, mais c'est plus que ça coûte un peu trop cher, quoi. Ça coûte 20 000 ? Bah, écoute, on va farmer avec les choux que t'as donné. Je pense que demain, on est bon. Oui, large, large. La Réunion, c'est les Maldives. Ah ouais ? Attends, tu me donnes un doute, là, maintenant. Chouga, tu t'y connais ? Pas du tout. Let's go ! C'est pas la même chose, quoi. Pour moi, il y avait les îles Maldives et il y avait la Réunion. La Réunion, c'est... En fait, j'ai peur de dire des bêtises, c'est pour ça que je dis rien. Ouais, c'est pour ça que je dis rien non plus. Attends, pourquoi c'est éclaté, Gripzou, Spotify? Qu'est-ce que t'as contre Spotify? C'est très bien, Spotify, dis donc. Ah oui, c'est vrai, j'ai mal lu, Gripzou, excuse-moi. Spotify, c'est trop bien, oui, qu'est-ce que tu nous chantes? Alors... Oh... C'est mieux que 11h. Hein. Hop. Tac, tac. Tac, tac, tac. On va redonner à manger au petit popole là. C'est vrai qu'il faut leur faire des cœurs, j'avais oublié qu'il y avait ce système. Hop, une grosse quantité de lait. Ok, c'est vrai que la guilde des aventuriers, fallait aussi qu'on ait... il y avait aussi une autre récompense à prendre, je crois. Ouais. Faudra y passer. Bah je vais y aller. Oh, je sais ce qu'on devait faire, je viens d'y passer. Oui. Prendre le buste. Oui, c'est vrai. J'arrête de crier. Bah viens, je prends le buste. Il y a une madame qui nous attend devant le bus. Bah j'arrive. On va pas faire attendre les madames. Attends. Je marche lentement, j'ai l'impression que j'ai... Je sais pas. Bonjour madame. Tu es au courant pour le vieux bus? Oui, je suis de nouveau aux commandes. Hey, hey, c'est super. Mais encore. Non, mais... C'est un flop, là? Quoi? Acheter un billet pour le désert de Calico pour 500 pièces d'or? En vrai, j'ai envie d'y aller. Allez, va. On y va.
Par contre, j'espère qu'on a toute la journée. Hein. Parce que là, il est déjà 15h. Waouh! Attends, j'ai vu un truc en bas à droite qu'il faut donner à la maison communautaire. Oh merde, il est déjà 15h. Hey. À droite, il y a un cactus que normalement tu peux récupérer. Est-ce qu'on peut taper ça? Ah ouais. Non. C'est sympathique tout ça. Oh, attends. C'est pas l'endroit du banc qu'on avait eu sur un dessin ici? Peut-être, je sais pas. Pas avec toi. Je suis en bas à gauche. J'ai un truc qui s'appelle Oasis. Donc je suis en train de parler avec quelqu'un qui s'appelle Sandy. Il fait oh, un client. Bonjour, bienvenue dans l'Oasis de Sandy. Hey, tu ressembles beaucoup à cette personne dont Emily m'a parlé. Ah, alors comme ça, la ligne de bus de Stardew Valley est de nouveau opérationnelle. Oh, je suis tellement contente. Ok, c'est tout. Oh, de la visite. Oh, y a un mec de la mafia. Oh, c'est un videur. Ah, c'est un vrai videur. Oh. Attends, je peux pas lui donner une blonde coco. Attends, peut-être que... Mais comment on parle au videur? S'il te plaît, repasse me voir bientôt, je m'ennuie tellement ici. J'ai essayé de lui faire un cadeau, il a pas voulu non plus. Hein. Oh. Alors, tu m'as parlé de quel banc? Viens, c'est juste en bas à droite là-bas. Je sais pas, j'ai l'impression que ça me dit quelque chose. Oh, c'est quoi ce chat? Ah, je suis quasiment sûr qu'il y a une téléportation. Alors, ouais. Le banc, qu'est-ce qu'il fallait faire? C'est dans collection, je crois. Note secrète. Tac tac, d'où le banc. Ok, normalement il y a un truc juste là. Non! Mais non, on l'a déjà donné cette poupée! Non! Bon bah. Ah, déception! Tant pis. Mince! Oh! Qu'est-ce qu'elle propose? Des chapeaux, des bombes, méga bombes! Des méga bombes. Totem de téléportation pour le désert. Sauf que c'est pas en argent, c'est en géode qu'on peut payer et en loot de mob, en minerai, etc. Oh, viens, viens en haut à gauche. J'arrive. Oh. Et tu te souviens de la clé en forme de tête de mort? Oh. Waouh. Oh, let's go. Ah, c'est ça les fameux monstres qui existaient, qui étaient dans les aventuriers et qu'on pouvait pas attaquer? Ah, mais voilà! Mais vas-y, je suis. Wow! Wow! Tout ça? Oh, les mini-slimes qui apparaissent! Ah, il nous faut clairement des meilleures armes! Oh! Je vais bientôt mourir! Oh! Mais c'est quoi ce dragon? Attends, moi je me barre! Oh putain! Oh putain! Oh putain! Oh putain! Oh putain! Ok, je me casse! Wow! Ok, c'était extrêmement violent. On n'est pas prêt. On est clairement pas prêt, on est d'accord. Ah bah oui, attends, viens voir, c'est un truc par là. Attends, j'arrive. Regarde, il y a un truc d'incantation. Comment ça, un truc d'incantation? Attends, je vais regarder sur ton stream, comme ça je peux pêcher en même temps. Oh, what? Oh, c'est obligé, il faut ramener un truc. Non, non, ça ressemble à un dragon, Grimzou, je suis désolé, c'est un dragon. Je lis ton gros texte après, t'inquiète pas. C'était un dragon. On me dit que c'était une mouche. Ah non, il y avait un dragon qui arrivait de la gauche. Je sais pas si tu l'as vu. On retourne à la ville ou pas? Bah là, j'essaye de pêcher, voir s'il n'y a pas des poissons spéciaux. Peut-être que ça pourrait servir pour la maison communautaire. Et tu trouves quelque chose pour le moment? Pour l'instant, non. Que des déchets. Il va falloir absolument venir bien plus armé. D'ailleurs, en parlant de pêche, les levels 40, 80 et 120, on ne les a pas tant farmé que ça. Hein. De la mine. Tu sais, on avait à chaque fois des petits trucs d'eau. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de poissons. C'est obligé, il y en a. Je veux y croire qu'il y aura un poisson spécial. On est surtout en train de le laver le truc.
En tout cas, les déchets sont pas spéciaux. Ah oui, c'est vrai qu'on a une nouvelle note secrète, là. Je sais pas si c'est toi ou c'est moi qui l'ai récupéré. Une note secrète. Ah, je pense que c'est toi. Ouais, je l'ai. Et alors, régime de musculation d'Alex, petit déjeuner complet, dîner au saumon. J'ai appris à aimer ces poissons, je sens la protéine dans mon corps. Ok, donc on sait qu'il aime ça lui-même. Oula, on commence à plus rien voir. Je continue de garder espoir. Est-ce que je peux rentrer sans toi? Oui, je pense. Enfin, on a chacun payé un billet, donc... Bon bah, ciao. Mais au revoir. Mais je suis sûre qu'il y a un poisson, parce qu'il y avait un poisson des sables, je crois. Ouais. Et ça peut être que ici, je pense. Peut-être que dans la grotte, hein, plus bas. Hein. Tu crois? Bah, pour moi, la grotte, si ça part du même principe que celle qu'on a actuellement... Ouais. Alors, je voulais mettre une playlist de métal au hasard pour voir ce qu'il me proposait. Il y avait presque rien en termes de playlist officielle, faite par Spotify, quoi. Et dedans, il y avait presque du vieux heavy metal bien nul et seulement des groupes ultra connus. Dans les playlists éditées par Deezer, les artistes pas très connus et les nouveautés sont beaucoup plus mis en avant. On peut plus facilement développer. Alors, oui et non, parce que sache que sur Spotify, les petits artistes ont moins de charges à payer et sont beaucoup plus rémunérés sur Spotify que Deezer. En plus de ça, tout ce qui est remix, Deezer ne les accepte pas, tandis que Spotify les accepte. Donc à partir de là, gros point pour Spotify. Et sur les playlists officielles, t'as forcément des playlists officielles. J'en ai déjà vu. Attends que je regarde. Spotify. Tac. Rechercher. Tu vois, dans rechercher, et normalement... Parce que j'en avais déjà trouvé la dernière fois. Tu vois, dans rechercher, tu vois, dans métal. Et ça, t'as les trucs officiels, tu vois. T'as les trucs officiels de Spotify. Donc, tu vas dans rechercher en bas, et tu vois, sur métal. Ou un autre style, comme tu veux. Et après, ce que tu peux faire, ce qui est vachement cool, parce que moi, j'abuse... 11 000 pièces! Ok, c'est bon, on est bon. Et ce que j'abuse énormément, c'est... tu vas sur l'une des musiques, tu vas sur les trois petits points en haut à droite, et tu vas... Radio lié au titre, et ça te met plein de musiques qui ont un rapport avec ce titre et ce dont les gens écoutent le plus en général quand ils écoutent aussi ce titre. Voilà. Voilà pour le petit tuto Gribzouille. T'as vu l'argent? J'ai vu ça, ce qui veut dire qu'on va pouvoir faire notre poulailler. Alors, on a reçu une lettre. Je vois que tu es rentré dans la caverne du crâne, bien joué. J'ai un meilleur défi que pour toi. Descends au moins 25 niveaux. J'ai une montagne d'or à t'envoyer si tu peux le faire. Oh. J'accepte la quête, mais bon, vu comment on s'est fait rouler dessus. C'est vrai que ce sera pas fait tout de suite, mais ça sera fait un jour. Je vais aller à la guilde des aventuriers. Je vois la récompense qu'on était censé avoir. Allez. Oui, bah après t'as ce que tu veux. Mais en termes, les petits artistes, ils préfèrent en général partir sur Spotify que sur Deezer. Parce que c'est bien plus mis en avant et ils sont bien plus rémunérés pour ce qu'ils font. Oh, il y a encore un truc ici. Pam pam pam. J'avais un pote qui avait essayé de faire de la musique comme ça, un peu à droite à gauche. Et il me dit... En gros, ils ont des contrats différents à chaque fois entre Deezer et Spotify. Et lui, il s'est amusé à faire sur Spotify, Deezer, YouTube, sur... Il y a une troisième plateforme où c'est gratuit, mais très peu de personnes l'utilisent. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est un truc orange. Regarde les... Attends, viens voir. Les buissons comme ça. Il y a plein de trucs dedans. Ouais, je sais. Tu les secoues pas, je t'ai vu passer à côté. Ah oui, mais ça sert à rien. Mais genre, ça se vend pas cher, ces petits trucs-là. On sait pas. Mais tu peux faire de l'alcool avec. Ah. Tu sais, le vin, okay, là. Okay. Là, je pense que je vais en acheter un peu plus des bouteilles de vin. Des tonneaux, plutôt. Oh, c'est quoi, ce truc-là?
Un bizarre. Ça ferme. Oh, ça ouvre à 14h. Oh, je vais pêcher dans la caverne dans ce cas-là. Ok, Robin. Allez, go, ce petit poulailler. Ah, il est bien d'accord, c'était tous les 80 les changements. Tous les 40 plutôt. Tous les 40, oui. Non, mais il n'y avait rien, level 80. Level 100 peut-être ? Ah non, c'est level 100 pour la lave. Ah ouais ? Ouais. Oh. My bad. C'est toujours intéressant quand on peut faire de l'alcool. Oh ! C'est si dur. Ah, les poissons de la lave, ils déconnent pas. Hein. Dis-moi, est-ce que tu te rappelles où faut mettre le truc de la maison communautaire ? Le fruit du cactus. Je sais plus, mais je sais qu'on devait le faire. Ça se trouve, c'était un... Tu sais, des fois, t'as 8 propositions, mais t'as que 5 places. Ça se trouve, c'était ça. Ah, peut-être. Je vais quand même vérifier partout. Parce que... Ah, c'est bon, c'est là. Let's go. On a eu quoi comme récompense? Bah, j'attends de voir. On a eu... Récompense d'automne, un avant-goût de la saison. Ouais, bon, c'est de la bouffe, quoi. Oh, mais du coup, on a fini une pièce. Oh, c'est vrai? Ouais. Trop bien. Nous sommes ravis de t'aider. Oh, c'est joli. C'est mignon comme tout, j'adore. Ce qui veut dire que normalement, demain, on va avoir un nouveau truc de débloquer si jamais on suit la logique. Putain, mais ils sont si durs ces poissons! Je vais venir essayer, ça m'intrigue. Level 100. T'as des appâts? Ils sont tous utilisés. Ah merde. Ouais, c'est dur. Non, tiens, je vais m'en remettre. Bah, je vais t'en donner en vrai. Tiens. Merci. J'en ai 20. Je vais essayer. Bon, attends. C'est tellement dur. Ils aiment bien de faire. Mais ils font que ça. Mais ouais, le film Super Mario Bros, j'arrive pas à savoir si ça va être un bon film ou pas. J'ai pas ça. Je suis pas courant, il y a un film Mario qui arrive. Un film Mario Bros, ouais. Oh. L'animation a l'air belle, l'histoire, je sais pas. Tout Mario Bros, quoi. Pas quand tu fais un film Mario Bros. Mario Bros, on est bien d'accord que c'est le jeu de karting. Non, ça c'est Mario Kart. Mario Bros, c'est les petits niveaux là. Ah, ok, oh, oui, dans ce cas-là c'est facile. Enfin, c'est facile. C'est plus facile de faire un jeu sur Mario Bros que Mario Kart. Ouais. Perso, je pêche que des déchets là. Tu vas voir quand le poisson il va arriver. Moi je te dis, c'est pas un poisson, c'est un monstre. Encore des déchets. C'est un dragon. Mais oui, c'est le dragon qu'on a vu dans le désert. Ok, il nous a donné une arme. Mais elle est pas folle. Mais elle est stylée. Mais elle est pas folle.
bien envie de la tester. Je te jure, j'arrive pas à avoir un poisson. T'inquiète, t'inquiète. Franchement, quand tu arriveras à avoir le poisson, tu n'arriveras pas à l'avoir non plus. Elle fait 20-30. Plus 2 de chance critique. Ouais, non, du coup. On a goût sur les autres monstres. Ok. En fait, j'ai tellement envie de rush, enfin de rush, de farmer les monstres. Oh non, mais le nombre de slimes, c'est, je pensais que c'était 200 le nombre de slimes qu'il fallait faire, mais non, c'est 1000. Oh, mais oui. Après, vu le slime qu'on a tué tout à l'heure. En vrai, ça peut se faire vite, ouais, avec ceux-là. Est-ce qu'on se prépare pour aller demain là-bas, d'y retourner? En vrai, je suis chaud. On prend un max de bouffe et tout, et go, hein. Bah go, alors. Je vais essayer de préparer de la bouffe, si on en a. Attends, t'as replanté les choux? Oh, non. My bad. Bah faut que je regarde ce qui est le plus rentable maintenant puisqu'il va nous rester que 12 jours. Les artefacts qu'on a en trop, tu crois qu'on peut les vendre ou pas? Essaye. Non, c'est pas une question de... Ça va nous rapporter beaucoup pas, mais c'est une question de... Est-ce que c'est une bonne idée? Ah. Tu sais, il y a des trucs que tu veux pas que je vende, parce qu'on en a peut-être besoin plus tard ou quoi. Bah, en vrai, les artefacts, je pense pas qu'on en aura besoin plus tard. Genre, il y a que Gunther, en soi, qui... En tout cas, dans... Maintenant, qui peut en vouloir, et en l'occurrence, on les a, c'est qu'on nous a déjà donné, donc ça sert plus à quelque chose. Ça se tient. En vrai, s'ils donnent des armes et du stuff, la guilde des guerriers, des aventuriers, c'est cool. Toujours pas de poisson, hein. Mais on l'a déjà donné, cette poupée étrange, non? Je vais la garder parce que j'ai un doute, mais... On l'avait déjà donné. Hop, tac tac tac. Notre poulailler qui part un peu en lambeaux. Vraiment, c'est même plus digne d'appeler ça un poulailler là, à ce stade-là. Oh! C'est vrai qu'il y a du sirop d'érable. Attends, c'est pas le sirop d'érable qu'il fallait donner dans la forêt, je sais plus quoi? Oh si, si si, bien vu. Attends, tu te souviens qu'il y avait un mec qui s'appelait qui? Oui. Tu te souviens ou pas de ça? Oui oui, c'était bah c'est pas... le gars qui peut donner la pile, je crois. Ok, et eh bien c'est qui nous a donné le défi de faire 25 levels dans les grottes de la nouvelle zone. Ah, ok. Peut-être un indice sur ce qu'est cette personne. Ah.
Ah mais il a pas l'habitude. Là attention tu spams Grimzouille. Grimzouille fait un slash autobahn là. Ah c'est vrai qu'il y a des slimes ici aussi. J'avais oublié. Alors je donne à qui comment le sirop d'érable là. Est-ce que t'en aurais d'autres par hasard? De quoi? Des sirops d'érable ou il y en a qu'un qui a été mis? J'en ai deux pour moi. Je pense que c'est une quête plus pour tous les deux, non? Mais tu peux venir direct. Ça oh. M'avait pas l'air. Attends. Rejoins-moi, t'inquiète. C'est quelle quête? Putain, il y a tellement de trucs qui traînent ici en fait. Apporter du sirop d'érable dans la forêt secrète. Attends, j'arrive. Oh, il m'a drop quoi lui? Il m'a drop une noix d'acajou. Où es-tu? Dans la forêt en train de me battre contre des slimes. J'arrive, je cours. Comment on fait fonctionner ce truc là? D'accord, j'ai sur d'érable, mais je fais quoi maintenant? Je peux essayer? Oui, tiens. Bon. Ah. Il fallait essayer avant. Attends, c'est quoi exactement la quête? C'est... Ouais, que je la retrouve. Note étrange, ok. C'est bien ici, la forêt secrète. Ouais, quand on regarde la map, on est sur la forêt secrète, là. Non, j'ai déjà essayé sur lui. Ou sinon, peut-être le jeter sur lui. Ah, tu sais ce que je viens de faire. C'est ce que je viens d'essayer. Ah non. Oh, putain, attends. Ok, hop. Non. Oh, non, merde. Mais c'est moi qui ai paramétré le fait que les VIP pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Après, c'est à moi de choisir si vraiment... Merde! J'avais pas vu qu'on était là. Oh! Let's go! Attends, mais du coup, est-ce que ça s'est fait parce qu'on a apporté le truc ou parce qu'on a... Non! Ils avaient réparé parce le tram! On a terminé une pièce. Mais oui. Bon, au moins... Au moins... On compense notre perte. Je suis plus chaud qu'on aille voir ce qu'il y a à droite que de retourner dans la ville du coup. Là de toute façon on n'est même pas préparé ni quoi. Ni ouais, rien. Ouais. Je vais poser toutes mes affaires parce que moi je suis full. Vas-y, bah moi je commence à avancer vu que j'ai rien sur moi. C'est génial, le petit wagonnet, il nous emmène directement là-bas. Comment ça? Bah, il y a un nouvel endroit qui a été ajouté au petit wagon, et ça s'appelle Carrière, et ça nous emmène là. Oh, trop bien. Et alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce que tu vois devant toi, là? Bah, je crois que c'est simplement une zone de minage avec quelques arbres. C'est déjà bien. C'est déjà pas mal, effectivement. Mais, pour que ça soit... Rester aussi longtemps sur le côté secret, il y a plus de choses qu'on croit. Possible. Je vais regarder, attends, je fais un petit peu de trou. Alors, le... Oh! Mais non. Quoi? Attends, je suis pas sûre. Il y a une mine. Encore? Encore une mine, ouais. Mais il y a des mines partout dans ce jeu! Je vais voir si je peux y rentrer. Oh, mais ouais! Il y a un panneau de tête de mort. Bah, je vais t'attendre ici. En attendant, je vais casser les petits trucs qu'il y a ici. Mais je crois qu'on va pouvoir. Ok, faut que je calcule rapidement ce qui est le plus rentable pour nous. Attends, laisse-moi 5 minutes. Est-ce que tu peux regarder sur le drive? Qu'est-ce qu'il faut que l'on vende? Que l'on fasse pousser plutôt.
Ouais. Attends, bouge pas. On est au printemps ? Ouais, et il nous reste que 11 jours. Regarde bien le temps de... Le temps de pouce. Ok, je me dépêche. Bonjour, bah chou-fleur, vu que ça prend... Ah bah non, pour moi le chou-fleur c'était 13 jours, non ? Bah du coup ce serait du chou frisé qui prend 6 jours. Ok. Je suis pas sûr qu'il en vende. Il vend des pommes de terre ? Je sais plus du tout. Là les trois qui seraient possibles ce serait chou frisé, ail et pommes de terre, sinon c'est... Enfin c'est rentable mais c'est vraiment pas incroyable. Ok, 8 x 4 ça fait 16, 32, plus 8, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bon faudrait 48. C'est pas incroyable mais c'est toujours de la thune tu sais. Mm. 48. C'est-à-dire qu'il y a je ne sais pas combien de mines dans ce jeu. Mais carrément, c'est génial. Carrément. Il n'y avait pas de graines qui se vendaient directement à l'autre bâtiment, dans l'autre ville. Je ne sais pas. Alors tu m'as dit chou frisé. C'est ça. Chou frisé, ail et pommes de terre. Ok. Bon, du coup, je vais aller faire un tour dans la mine. C'est bon. J'irai le planter. Faut que ce soir on rentre assez tôt pour le planter. Ok. Oh, est-ce que je peux faire ça? Attendez. Non, faut que je fasse un truc. Ouais, bah, tant pis. Je vois, est-ce qu'on peut jeter des trucs aux chiens par-dessus la barrière? Oh! Oh, j'avoue. La carrière. Jusqu'à là, c'est une mine normale, juste les slimes ont plus de vie, quoi. Ce qui se passe quand on casse tout. Tellement de minerais à droite à gauche. Je vois pas la grotte par contre, elle est où ? Sur la droite, en haut. Sur la gauche, pardon, my bad. Okay. N'importe quoi. Oh, ok, c'est bon, je la vois. Grotte basique, du coup ? Bah, pour l'instant, ça en a l'air, ouais. Ok, non. Y'a un mob un peu chelou. Ok. Calme-toi. Yeah. Wow, par contre, deux coups pour casser un bloc. Ouais, avec la pioche en or, ça fait un peu mal, hein. Par contre, l'étage est immense, genre, c'est énorme. Ouais, juste là, j'ai même pas envie de les taper tellement c'est dangereux. Il y a une sorte de crâne volant. C'est un nouveau méchant. Ah bah clairement oui. Je suis limite à deux doigts de vouloir économiser pour me faire des pioches en iridium. Tu penses ? Pourquoi pas. Hein. Waouh. Oula. Mais c'est quoi cette faux? C'est plus puissant qu'une faux ordinaire. Bah ok, super. Mais c'est trop bien. Merci. Merde. Quoi? Ah, ça, quand tu réappuies dessus, ça te re-tp au spawn. Ah ouais. Ok. Et c'est tout du coup? Il y avait juste ça. Je sais pas. On va essayer de refouiller parce qu'il y a un côté qu'on n'a pas fait. Ouais. Côté gauche avec tous les slimes là. Ah, c'est vrai que je peux les one-shot de loin, moi. Enfin, one-shot. Oh wow, c'est quoi, ça? Oh, ils font si mal. Ah, t'as vu? C'est ça, le nouveau truc. En plus, ça drop rien. Ah, peut-être qu'on a pas eu de chance sur le droit, peut-être.
Je sais pas, j'en ai fait 3, j'ai rien. Attends, vise vers le haut ou... Je pense que les petits slimes faudrait... Oh, attends, ils m'ont donné des... Ils font des cœurs. What? Peut-être qu'ils me veulent pas du mal, hein. Bah, pas ceux-là, en tout cas, ouais. Et lui, il... Et y en a un, il a un petit point d'exclamation. Oh non, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Me protéger. Ouais. Il m'a quand même fait du mal. Non ! Dégage ! Il me touche, je suis mort. Oh putain, on est dans la merde. On est dans la merde. Il me touche, je suis morte aussi. Ah bah voilà. Chier. Ok, j'ai pas perdu les choses importantes. Bon, j'ai plus d'énergie, plus rien. Génial. Il doit rester un ou deux casse-croûtes à la baraque. J'ai perdu mon épée en os, ma bouffe et mon sirop d'érable. Bah go aller dans la guilde des aventuriers pour l'acheter. Oh, j'ai trop le seum. Vas-y, va les racheter, c'est pas bien grave. De quoi? Bah tes trucs que t'as perdu. Mais qui c'était ça, aventurier? Ça se rachète? Ouais, c'est le service de récupération, ça s'appelle. Oh! Bah je vais y aller. Y aller si mon énergie me le permet, parce que là j'ai un sacré doute. Viens voir, c'est une nouvelle foule. C'est de toute façon, ça donne un peu plus de paille, mais je sais pas si c'est un effet placebo ou pas. Ok. Je vais rechercher de la sève. Planter les trucs qu'on vient d'avoir. Hop. Ah, je peux récupérer qu'un seul truc? Ah non. Ah si. Quoi? Merde, j'en ai fait 48 alors qu'il n'y avait que quelques-uns. Mais non, tu peux tout arracher, non? Bah là, je viens de cliquer sur, par exemple, l'épée en os. Je crois qu'il nous a pris nos sous et j'ai pas l'épée en os pour autant. Et je ne peux plus rien faire à part lui acheter des armes, enfin la boutique de base, quoi. Genre, c'est pas revenu dans ton stuff? Non. Et ton stuff, il était vide de base? Bah, j'ai de la place, quoi, oui. Bizarre. Bah, très bizarre, oui, parce que je crois qu'on a payé, quand même. Ou alors il y a peut-être un truc RP, genre il va le chercher demain ou un truc comme ça. Bah j'espère pas. Enfin, je préfère ça que... Je préfère ça que juste avoir payé dans le vide, mais c'est quand même chelou. Alors le jeu est pas si mal fait quand même. On s'en réfléchir, mais là-dedans dans la boîte on peut pas mettre un truc d'iridium plutôt. Ça. Oui, c'est le truc. Et toi, la machine, là. Ouais. Tac. Non, on peut pas, dommage. Chuté. Est-ce que tu peux aller... T'es rentré à la maison, là? Ouais, je suis là. Est-ce que tu peux aller faire un tour au niveau des animaux? Bien sûr.
Ah, du miel, super. Je suis à 15, c'est drôle. Hop. Ah, c'est pas fini, ça, merde. Bon, je te laisserai faire le fromage, par contre, parce que bah t'as encore le son. Ok, ok, j'arrive. Tac. Haricots. Je peux pas leur faire des cœurs parce qu'ils essayent de dormir. Mince. Non, mais c'est plus compliqué que ça, Gabzou. On a tellement galéré à les avoir. Si seulement ça avait été si simple. Excusez-moi. T'as récupéré les œufs quand même? Ouais. Mais oh! J'allais mettre des gros œufs du coup. Ah, my bad. Je regardais sur internet cette fameuse carrière là. Du moins cette grotte là, parce que je comprends pas. Il y avait que ça à faire. C'est fantôme là, tous les trucs sont bizarres. Hein. Mais oui. Alors, la carrière. Ah, j'ai reçu mon épée par la poste. Ah bah voilà, c'est l'épée. Ça. T'as acheté que ça? Bah ouais, vu que je pouvais plus interagir avec. Mais je pense que tu peux acheter que un par un. Enfin, c'est une théorie. Pire, sirop d'érable et la bouffe, c'est pas bien grave. C'est plus l'épée qui me faisait un peu chier, donc... D'accord, mais on avait pas dit qu'on arrêtait les poules. Alors, c'est un œuf qui était dedans depuis le début. Ah merde, bah du coup, faut que je lui donne un nom. Non, c'est pas moi qui fais ça en loose dé sans te prévenir ou quoi, genre. Mais du coup, je l'appelle comment? Comme tu veux. Oh, mais j'en sais rien. La panique dans ta voix. Thank you.
Ce qui paraît à la carrière, il y a des trucs qui seraient peut-être intéressants. En revanche, dans la mine, j'ai pas l'impression. Ok. On verra ça peut-être plus tard. Ouais. Et à ce qui paraît, il faudrait peut-être casser toute la carrière, donc je vais m'amuser à faire ça. En gros, les minerais précieux, ils peuvent respawn dedans, les jours. Ok. Et s'il n'y a pas de place, bah ils respawnent pas. Ah, ok. Et ouais, chose que l'on fait pas, mais à ce qui paraît, on peut utiliser les bombes pour tout exploser d'un coup. Ce serait plus pratique, enfin plus rapide, mais en soi, c'est pas... Normalement, on devrait pas prendre 10 ans non plus. Ouais, voilà. Ça bouffe de l'énergie, cette connerie, hein. Carrément. Carrément. Est-ce qu'il paraît des artefacts trouvables aussi? D'accord, d'accord. Et des choses aussi qui nous permettraient d'avoir des thèmes plus intéressants et plus forts dans les mines. Ok. Ah, oh, c'est pas mal. Demain, on va dans la mine du sable? Allez. Tellement de pierres sur moi là. On réessaye de donner ce sirop d'érable. Ouais, bah du coup perso j'ai plus le mien. Mais bah c'est le... Quand je suis... Ah merde. Épanouie dans la mine. Du coup, oh non. J'ai un peu le seum. J'ai l'impression qu'on a rien trouvé. Bon, prochaine fois On verra peut-être demain ouais comment ça se passe. Je sais pas si... Je vais regarder le prix du sirop d'érable à racheter au gars, là. Tu peux acheter du sirop d'érable? Bah non, mais pour récupérer mon truc que j'ai perdu. Ah! Je vais voir. Si c'est pas trop cher, je vais le reprendre si c'est trop cher. Il se passe rien, je crois, Gripzouille. Ah bah, je peux plus rien racheter, en fait. Je peux racheter qu'un truc. Vraiment? Ouais. Genre, le reste a disparu, ou...? Ouais, le reste a disparu. C'est ultra bizarre. Bah ouais. Oh, le nombre de personnes qui ont dû se faire avoir. Ouais. T'es occupé des animaux ce matin ou pas? Ouais, à part la vache qui est pas très. Ah oui, c'est vrai, on avait vu la grande ferme. Pouah, c'est gigantesque. On va pouvoir acheter des poulets, des canards et tout là. Nickel. Alors on va mettre... Hop, ça je vais mettre là, sinon on va dire que je donne jamais. Voilà.
plein de volailles. Plein de petits animaux là. On va refaire des casse-croûtes. Il faut des pommes de pain. Pouah, des pommes de main, de pain. Oula, des pommes de pain, on en a 165 là. Ah oui, bon. C'est bon là, quoi. Et... Et bah, go, essayer de donner ce sirop d'érable. Ouais. Bah, si tu y arrives, tu me Je te dirai comment on fait. T'inquiète pour. Ouais. Journée, moi, je te dirai. Ce bouton-là de rangement automatique, mais oh là là, qu'est-ce qu'il est bien. C'est la réflexion que je me suis fait la dernière fois. Quand on jouait à Minecraft la dernière fois, j'étais en mode mais... Oh mais c'est trop bien ce rangement automatique. Et quand j'étais sur Minecraft, je suis en mode... Non, je veux ranger, j'arrive pas. Je veux ranger. Oh. Oh. Juste, j'y suis allé en pleine journée, il y a un ours. Un... Ah, ok. Cette odeur, approche-toi. Je m'approche donc de lui. Merde, j'ai pas le temps de dire. Non mais c'est du spawn kill ça. Orage. T'es mort? Non. Oui, ça a dit du. Pas vraiment du spawn kill non plus, mais. Et en gros, après cinématique, je suis apparu et on m'a attaqué direct. Du coup, je sais pas ce qu'il fait. Okay. Oui, mais je sais pas comment on appelle ça, le fait que les gens ils attaquent dès le respawn. Comment j'ai récupéré ça? Pas du tout ce que ça fait. Cette partie en dessous qu'on peut pas. On peut pas visiter, elle me trigger moi. Quelle partie? C'est dans la forêt secrète, oui, t'as une partie où on n'avait pas à aller. Ouais, je me rappelle. Tu peux dire qu'il t'a attaqué dès que tu vas apparu sur le tableau. Oui, mais... Arrête. Il faut bien avoir un terme british pour dire ça. Demain, on fait vraiment... Ouais. La mine dans le sable. Ouais. On devait y aller il y a 3 jours. Hein. Là-dedans. Je me perds. Allez, elle est déjà couchée, je stresse. C'est bon.
Qu'est-ce qu'on peut faire avec le slime d'ailleurs? Ah si, on avait une machine à slime, mais ça coûte. Compresseur à slime, il est où? Il nous fallait donc une pile. Encore et toujours ces piles. Go! Let's go! Ah, il pleut encore. Oh, on a reçu une lettre. Attention, c'est Pierre. J'ai vraiment très envie d'une assiette de sashimi. Je paierai bien quiconque m'en apporterait. Pierre. Pierre, c'est qui? Ah, c'est le mec du commerce. Le magasin. Ouais. Ah, t'es déjà parti au désert? J'y suis quasiment, ouais. Dans quoi? Revenez quand il y aura un chauffeur de bus. Bah, il est où le chauffeur de bus? Peut-être qu'il arrive à une certaine heure, comme tu sais, les magasins un peu. Bon, j'attends là, hein. Hop là. Moi, ce dont j'ai peur, c'est que. T'as pas vraiment. Oh, je vais regarder sur internet. Alors. Ok, la dame qui fait le bus, elle est là de 10h à 17h chaque jour, excepté le 25 au printemps. Pourquoi le 25 au printemps? J'en sais rien. Bon, je vais faire les poubelles en attendant. C'est ça, j'ai pas récupéré mes cadeaux chez Gunther. Récompense, mais oui, le triple dose d'espresso. Meuble. Alors, il faudra que tu fasses quelque chose. Quoi? Tu sais, la dernière fois, je t'ai dit qu'il y avait une poupée ancienne, là. Oui. Est-ce que tu te souviens de comment elle était? Je n'ai aucune idée. Parce que je crois, pas sûr, mais que j'aurais pas dû la vendre. Oh non. Donc, va... La fille qui fait le bus est là. Ok, ok, j'arrive. Vas-y, va... Tu te souviens où est-ce qu'il fallait déterrer? Oui. Ok, ok. Mais on peut pas l'avoir qu'une fois? La dernière fois, t'avais réussi à avoir la tienne aussi, toi. Tu te souviens pas? Pas du tout. Vas-y, ben, je vais y aller. Ça coûte quand même un peu cher. Hein. Ça va, 500, on le fait facilement. On a juste à vendre... Ouais, mais je ne sais pas donner. Je l'ai pas. Monsieur. Ah non. J'ai eu de l'argile à l'endroit où t'avais eu la poupée. Bon. Oh. Est-ce que t'as eu la note secrète aussi? Non. Peut-être pour ça. Peut-être parce que c'est parce que t'as pas eu la note secrète. Ah mais si. Enfin, je crois. Je sais plus. Bah, je pense que je l'ai eu si je me suis rappelé qu'il y avait un truc ici. À moins que tu me l'aies juste envoyé en MP. Bah ouais, c'est pour ça, on se les a envoyés en MP, donc c'est peut-être ça. Je sais plus du tout. Allez, force à nous. Ok, on peut le faire.
Fais pas de corps à corps avec eux. Les slimes, on peut les attaquer de loin, au pire. Tant que si on attaque pas, au pire, on s'en fiche. Allez. Oh! Et ça, c'est pas un dragon, Grimzouille? Non, c'est pas la canne à pêche que je veux, mais je suis con. Le dragon, est-ce qu'il se pêche pas? Mais elle fait quoi, l'autre à côté? Écoute, il meurt un jour, lui, ou quoi? Essence du vide. Oula. Tu sais l'attaquer, toi, pour voir? Ah. Merde. Comment on le tue, du coup? En versant de l'eau dessus, peut-être. Ok, non, ça marche. Il craint l'eau. Il est allergique à l'eau. Comment tu te fous de ma gueule? Mais peut-être qu'avec l'eau, il va glisser, il va trébucher, il va se faire mal. Mais arrête de te foutre de moi. Non. Je me suis pas moqué d'elle. J'ai le dragon, là. Oh putain, il fait mal, quand même. Oh, oh putain. Non mais j'ai déjà mis de life là. Oh non, oh non, oh non, oh non, oh non. Bah, essaye d'attaquer le truc avec les l'arbalète. Pouah, bah l'autre qui nous a mis au défi d'aller au niveau 25, je sais pas si on va y arriver. Oh non mais il revient encore lui. Il faut vraiment qu'on trouve la sortie en fait. Aïe. Au pire, casse des cailloux. Moi j'essaye de m'occuper de tout ça. Mais il a tellement de vis, putain de slime. C'est trop. Oh putain. Non mais là c'est abusé. Je suis désolé mais t'as vu tout ce qu'on lui a mis dans la gueule? Mais oui c'était... Oh. Il y a un puits de mine qui descend. Bah ouais on y va. Vous êtes tombé de 4 niveaux. Ah. Ouais faut qu'on le lasse truc. T'inquiète Grimzouille, t'inquiète pas pour le temps. C'est vraiment chiant que ça prenne deux coups pour casser. Pour ça, je me dis pourquoi pas acheter l'iridium. Ouais. Oh, mais leur. J'ai un sketch. Ah, nickel. Oh, super ça. Ok, c'est reparti pour chercher une entrée. Il y a encore un énorme slime. Et un dragon, et il y a une entrée en haut. Je cours. Ok, je peux pas courir. Putain de merde. Ah, c'est chaud, hein. Franchement. Je vais mourir. Pouah, je l'ai eu au dernier moment. Lui, je le sens pas du tout, je sais pas pourquoi. Je rappelle aussi que tu peux attaquer de loin. Ouais, c'est vrai. Oh, mais ils sont si forts. Et là, on s'acharne sur eux quand même. Ouais, franchement, ils sont cheatés les trucs. J'ai bien envie de voir ce que c'est ce qui est écrit en haut à droite là. Ah oui, j'avais pas vu bien.
Non, non, je suis désolé, ça ressemble à un dragon. On est... Non, c'est clairement un dragon. Bien sûr que c'est un dragon. Ah, c'est, ça ressemble, si c'est pas un dragon, ça ressemble à quoi, Gabzouille? Une mouche, apparemment. c'est vrai qu'elle a dit une mouche. Actuellement, oh. Je cherche encore la mouche. Je sais pas si c'est ça, on peut pas les casser avec une pioche. Ok, même une pioche, ça leur fait rien. Pas sûr de la qualité de tes lunettes. Non mais Shuga a pas de lunettes et pourtant elle fait la même chose que moi. À moins que t'aies des lunettes d'ailleurs, je sais pas. J'ai pas de lunettes. C'est vrai que j'ai vraiment avancé quelque chose dont je n'avais aucune connaissance. Par contre là on est au niveau 7, c'est cool mais... On n'a pas de moyen... Long, là. Non, c'est pas une question que c'est si long, c'est qu'on n'a pas de moyen de descendre. Ah oui, c'est pour ça que je dis que c'est long. Non mais... Genre si on s'en va... On va tous refaire. Oui, c'est pour ça qu'il faut trouver une sortie. C'est bon, gauche. Ah, nickel. Et après, directement en gauche. C'est juste de voir ce que c'est, ça, quand même. Il n'y avait rien dedans, je regarde juste en bas. Il y a une... Vas-y. Est-ce que tu vois des choses? Pour l'instant... Encore un écriteau qu'on peut pas lire. Encore les petites mouches, là, qu'on peut pas tuer. Mais ça semble des crevettes avec leurs antennes giga longues, mais... Les crevettes bretonnes, moi je sais, elles sont bizarres. Merde, c'est toi qui es là. C'est quoi ce bruit? Ouais, j'ai entendu aussi, je sais pas. Ah bah ça doit être un dragon qui est en train de me courir dessus. Ok. En bas à gauche, il y a un chemin. Et tu feras gaffe, il y a un slime en bas à gauche dès que tu prends le prochain. Mieux. Ok. Et au bout du rail, il y a aussi un chemin encore. Ok, ok. Qu'est-ce qu'on fait? On reste ici jusque 2 heures, 2 heures quand même ou pas? En vrai, ça va nous coûter cher. Hein. Ce serait bien de partir vraiment au dernier moment. On essaye d'aller jusqu'au niveau 15, mais je sais pas si ça va être possible. Même arriver au niveau 15, ça va servir à rien, puisqu'on pourra jamais retomber au niveau 15. Et c'est ça, c'est, je pense que si on arrive au niveau 25, là, il y aura peut-être une possibilité d'y retourner plus facilement. Tu crois? C'est une théorie, hein. Je sais pas du tout comment ça fonctionne. Je, comme toi, j'apprends le, je découvre le jeu. Je sais pas. Soit... Oh, sorti sur moi. Ah, j'arrive. Soit on essaye de passer le 25, mais là, ça va être chaud, hein. Ultra chaud. Pas, hein. Par là. On va pas tarder à devoir partir. Hein. Parce que là, le 25, on peut toujours courir, hein, c'est mort. Ouais. Bon, allez. C'est où on s'en va? Ah, c'est là. Ah, je suis déçu. Ouais, moi aussi. Ah, je suis grave déçu. En plus, ça nous revient à super cher de venir à chaque fois. Genre, ça nous revient à 1000. Mais je suis sûr qu'on. Une seule journée ici. Ouais, sauf si on y va en mode solo, mais bon. Ouais, mais déjà qu'on galère à deux. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour avoir de meilleures armes? Bah, il y a le gars là de la guilde des aventuriers qui vend des armes. Ou alors, ce qu'on fait, mais c'est risqué, c'est qu'on on fait une pioche en iridium. Ouais. Et il y en a un qui tape les méchants et l'autre qui casse tout très vite. En vrai, ça se tente, hein. Par contre, la pioche en iridium, je sais pas du tout combien elle coûte.
Oh, je suis niveau 8 extraction minière. Je vais faire des méga boom. Oh, mais attends, il y a un. On peut crafter des échelles, je crois. Ah bon? Comment ça, on peut crafter les échelles? Je crois qu'on peut crafter ou acheter des échelles. De mémoire, il y a un truc comme ça. Ah bon? Attends. Échelle. Stardew Valley. Oui! Mais non. Mais si! Regarde! Regarde dans ton jeu. Ouais. Où est-ce qu'il est? Je suis sûr que je l'ai. En gros, t'as un truc tout gris. Et ça se craft avec des pierres. Et c'est 99 pierres, ça correspond à un escalier. Oh. Donc il nous faudrait quasiment 25 000 pierres. Si on veut, si on veut rusher ultra vite. Bah en vrai, moi j'ai 105 pierres sur moi, là. Moi j'ai toujours posé dans les coffres, donc... Dans les coffres, dans les coffres, il y en a déjà 800. Ah. Ça me ferait... J'ai une giga bombe avec moi. Ah ouais, faudrait garder pour les bombes, sinon on fait un max de bombes et on en fout partout. Ça peut être une solution, ouais. Attends. T'as le craft des bombes ou quoi? Ou pas? J'ai pas le craft des gigabombes, mais j'ai le craft des bombes normales. Attends, t'as les petites bombes ou les bombes normales? Les bombes normales. C'est quoi? C'est quoi le... C'est du fer, 4 de minerai de fer et 1 de charbon. Mais autant faire ça. Je vais ouvrir des géodes. Vas-y, moi je vais faire des bombes. J'ai pu en faire 32. Oh, c'est mais... quand même bien. C'est vraiment pas mal. Du coup, on y retourne aujourd'hui? Pas aujourd'hui, je pense. Hein. Là, on va se préparer un petit peu. On va autant essayer de recasser des cailloux pour qu'on se fasse encore des échelles, ou genre de choses. Ok, ok. Limite, retourner à nos mines à nous, pour qu'on le fasse. Parce qu'on casse tous les cailloux qu'on peut. Et j'ai pas pris le wagon. La pioche en iridium, elle coûte 25 000. Ah, oh, c'est pas donné, hein. Ouh. Ah ouais? Tu vois, j'allais dire, c'est pas tant que ça, au final. Ah ouais? Oh, je trouve ça cher. Oh, j'ai un nouveau truc. Ça. Ah, Gunther vous en dira un peu plus, ça aussi. Ouais. Ah, mais on va faire une un braquage avec tout ce qu'on fait là. T'as un don là. Pam pam pam, je te mets ça là et je te mets ça là. Ah oh, lui il me donne rien. Si con va. Je suis dans les mines juste pour casser des cailloux.
par contre, il s'agirait de me donner des cailloux quand je vous casse les rochers. Est-ce que t'as pas des cailloux dans la zone, toi, d'ailleurs? Bah là, justement, je suis en train de les casser. Il n'y a pas grand-chose, hein. Avec ça, quoi, fortune. C'est ça, là j'en ai trouvé deux. Je crois que c'est les deux seuls que j'ai trouvé. Ah non, quatre. Voilà, c'est tout. Quatre. Même à la carrière, il y a que. Oh, j'ai une note secrète. Oh, let's go. Et qu'est-ce qu'elle nous raconte? Je sais pas trop où c'est. Par rapport à un chemin de fer, j'en vois une. Ok. Pas trop ce que c'est. Je regarde ça. Tu reconnais ou pas? Attends. J'allais voir. Pas ça, ah ouais. Mais bien sûr que je reconnais et j'ai déjà été le chercher. C'est tout au nord au niveau de la gare. La gare? Ah ouais? Au niveau du spa, il y a une gare. Ah! Ok. J'ai un Ignam. Oh, bah on en a besoin ça en plus. Bah ouais, ce que j'ai. Je vais le déposer. Je vais aller voir le fameux truc en haut à gauche. Et t'avais récupéré quoi, tu te souviens? Ah, c'était pas le coffre au trésor, enfin le trésor ou je sais pas quoi là, qui s'était vendu 5000? Je crois, hein. Ouais. T'avais bêché le sol? Normalement, oui. Ou alors avec la pioche. Ok, j'ai récupéré le coffre aussi. Nickel. Comme quoi? Ça veut dire que tu peux récupérer la poupée aussi. Ouais, c'est que j'ai pas dû la voir. Je pensais, tu vois. C'est la maison communautaire. Oh. Yes. Un peu de chance. On aura trouvé une nouvelle. On aura terminé un nouveau truc. Oh, attends, je viens de penser à un truc. Ça fait un moment qu'on n'a pas été dans la petite mine au-dessus de la maison, là. Oh, mais oui, il doit y avoir tellement de choses. Est-ce qu'on a des prunes sauvages dans le centre communautaire? Ça me dit pas grand-chose. Est-ce que c'est des toutes petites boules violettes? C'est ça. Peut-être alors. Ah, je vais regarder. Oh, le... Comment c'est pas... Oh, la nouvelle zone. On peut s'asseoir et tout dessus. Oh, et quand on invitera tout le monde dedans, alors là, ça va être la fiesta, ma gueule. Alors... Non, là, je peux pas... Non, il n'y a pas de prune sauvage. Ah, l'Ignam, ça va terminer... Oh, ça veut dire que demain on a un nouveau truc. Oh, j'ai une ruche. Comment ça, demain on a un nouveau truc? Bah, à chaque fois qu'on termine un. Non, c'est pas la pièce, c'est la collection. Ouais, mais c'est la collection, c'est la collection. Qu'est-ce qu'on a eu avec l'argent? Le coffre-fort? Le coffre-fort. Ah, c'était le bus qu'on a eu. En finissant toutes les quêtes du coffre-fort.
Même si je vois pas trop le rapport. Mais bon, je sais pas s'il y a des rapports en fait. Bah, je pense pas. Hein. Bah, le sort de bureau là que qu'on avait fait, qui est en haut à droite, ça nous avait débloqué bah, le wagonnet. Donc bon. Bizarre. Bizarre tout ça, le Lascar. Bah alors, t'es prête pour l'opération de demain ? Je suis prête, je suis prête. J'ai tellement prévu cette opération que j'en ai oublié ma vie. Hop, on va récupérer ça, on va récupérer ça. Il nous faut vraiment des appâts par contre. Ouais, je viens de récupérer deux morceaux de... Là. Je les passe. Bah, comme tu veux, si jamais tu n'as pas d'appât, garde-les. Mais... Merci. Ça va. Tac, tac. Ça, faut que je vois combien ça coûte. Les casse-croûtes, je vais garder. Oh, je les ai déjà. Ok, ok. Alors. T'as une flemmarde, toi, un peu. Non. J'adore parce que je viens de l'accuser, c'est pas pourquoi encore. La machine à recycler là. Oui. Au lieu de le ranger dans le coffre, le truc qui est recyclé, tu le remets dans les. Je te vois faire. Hein. Ouais, mais j'ai la flemme à chaque fois. Hop. La richesse. Baie de saumon, ça se vend 16 pièces. Ok, ça... le baie de saumon en lui-même il est nul à chier. Salut Gripzouille. Salut, bonne soirée. Alors, on a reçu une lettre. Bonjour Edidi, demain nous nous réunissons tous pour la danse des fleurs. Ah, on l'avait pas fait la dernière fois. Si vous pouvez trouver une ou un partenaire, vous pourrez participer vous aussi à la danse. Il y a une petite clairière au-delà de la forêt à l'ouest du village où nous organisons la danse. Vous venez entre 9h et 14h si vous êtes intéressé. Merde, Lewis. Comment je demande à Léa si elle veut aller à la danse avec moi? Je pense qu'en lui parlant, t'auras directement l'option. Sinon, on y va à deux à la danse. Allez. Est-ce que t'aimes bien porter genre tout ce qui est robe, etc. Ça dépend. Ça dépend des occasions, disons. Mais en vrai, ouais, quand même. Genre, si t'es invité à la soirée de la danse, des fleurs plutôt. Ouais. Genre, tu prends la robe. Ouais. Pam pam pam. Oh, j'ai ces œufs là. T'as trait la vache ? J'y vais là. Ok. Ça, on est bon. Elle arrive à 10h l'autre, c'est ça ? C'est ça. L'autre. Le respect. Alors Léa, qu'est-ce que tu aimes ? La mayonnaise, le vin, hache de chèvre, des truffes, une salade. Fine. Oh, faut que je fasse les escaliers. Les escaliers. Pas les escaliers. Ah, les escaliers, oui. Ah, j'en ai fait 3. Je sais pas du tout comment ils fonctionnent. On verra bien.
Est-ce que t'as des casse-croûtes à tout hasard? J'en ai trois. Il n'y a plus grand chose à manger. Tout ce qui me reste, c'est la baguette que j'avais trouvée dans une poubelle. Voilà la gueule du truc. C'est génial. Je vais compter sur mon skill en combat. Ouais, ouais. T'as les bombes avec toi? J'ai les bombes. Après cette journée, je pense que je vais y aller ou après la prochaine, je ne sais plus. Quoi? Comment ça, quoi? Bah t'es... Quoi? Déjà? Ouais. Mais... Mais Yakuma, il est tout seul sur Minecraft depuis tout à l'heure, ça me fait de la peine. Mais... Il est tout seul. Mais on avait dit que... Oui, bon, de base, tu devais live aussi mercredi, et il n'y a carrément rien eu du tout. Je devais pas live mercredi. Si. Non. Si. On regarde mon planning. Ok. Attends. Si jamais tu devais live... Tu sais ce que je dis. Ça, oh purée! Oh my bad! Ok, bah j'ai rien dit. Je ferme ma gueule. Non, mais sérieusement... Je quitte. Essaye de quitter avec moi. Wow. Quitte, j'ai dit. Comment ça quitte? Mais quitte la mine. Tu m'as vu partir. Mais pour éviter le... Oh non! J'avais pas vu. J'étais pas sur cette fenêtre. Oh bah t'es morte. Super. Non, je suis pas morte. Je suis là. Voilà, merde. Ah, j'ai pas compris ce qu'on vient de faire. Viens. Qu'est-ce que tu fais? Le gars? Attends. J'arrive. Oh purée, c'est quoi ce bordel? Désolée d'avance pour les motifs que tu vas entendre, ça va être très chiant. C'est juste que Léo est en train de me spam, il me dit de venir, que je sais pas, c'est important aussi. J'ai posé un escalier en haut. Ok, nickel. Ah, si c'est on... génial! Si on n'a pas, je vais les poser direct. Au pire, on casse les gros cailloux si on a. Viens tout en haut, je vais poser un escalier. Tout en haut, j'arrive. C'est vraiment génial. Oh purée. Je vais poser une bombe ici, fais gaffe. Il y a un chemin? Oh mais... Non, il n'y a pas de chemin. Oh non! Oh, fais chier! Tu réapparais où? Je te dis ça tout de suite. Vas-y. À l'infirmerie. Je crois que c'est à côté de chez Pierre, ça. Brian, je sais que t'es sur le stream. T'as vu, c'est à cause de toi, je suis morte. J'ai perdu mes épées en mourant. Mes deux épées, genre. T'avais deux épées? Bah, l'épée noire et l'épée en os, et j'ai perdu les deux. Déjà, pourquoi t'as deux épées? Je sais pas. Pour moi, cette opération fut un grand échec. Bon, bah, j'ai un peu le seum. J'ai plus d'énergie, j'en ai littéralement deux.
nous avoir fait des... Ah, même pas le craft et tout. Ah, si. Oh, résine de chêne. Oh là là, est-ce qu'on en a encore? Alors, où est-ce qu'on peut trouver ça? Là-dedans, certainement. On en a qu'un seul, merde. Mince, mince, mince. Tac. Ok, donc il me faut un lingot de ça, de ça. Non. Là non. Et du bois. Bois. Aise. Ça par contre, où est-ce que je peux le mettre? Là-dedans peut-être? Alors. Ah, je peux en prendre un deuxième. Je vais casser ces pauvres portions parce que là, ça va pas du tout. Ah non, mais je peux plus rien faire, j'ai 4 énergies, je vais tomber à tout moment. En même temps, t'as pris du café, le pire truc. Attends, je vais aller... Alors. Ça s'est fermé. Est-ce que Léa est là? Léa, buvons une bouteille de vin ensemble. Quoi? Faut que je la retrouve en pleine ville. On s'est occupé des animaux ou pas? Oui. Toi, Willy. Je devrais peut-être cuisiner quelque chose de nouveau et d'excitant aujourd'hui, quelque chose d'épicé. Eh ben, c'est pour ça que je te donne de l'alcool. Oh, c'est exactement ce que je voulais, merci. Aïe, 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 plein de petits cœurs. Je comprends toujours pas pourquoi il y a des cœurs grisâtres des fois. Je sais pas du tout. Alors, je sais pas si c'est un rapport, mais les grisâtres, c'est que sur les personnes qui sont célibataires. Je pense qu'il y a quand même un grand rapport. Possible. Pam, pam. Et du coup, j'ai pas eu de texte pour pouvoir l'inviter au bal ou quoi. C'est bizarre. Peut-être que tu peux en inviter que certains. Bien le jeu, il est mal fait. Possible aussi. Non, on peut pas dire du mal de ce jeu. Non, je dis pas du mal, mais après, on sait pas, tu vois. Tac, les émotes, tu t'en es occupé ou pas pour finir? Bah, je t'ai dit que non. Okay, ok, ça. Hop. Si. Des lingots.
Hop hop. On devrait avoir un peu de thunes quand même. Nickel. Et bam, on repasse les 20 000. Bah bientôt la truc en iridium. Ouais, je m'arrête là. Écoute, bonne soirée à toi. Bonne soirée à toi également. Je m'arrête là aussi du coup. Minerai de fer. Hop. Minéral, ressources. Bam. Minéraux, on va les mettre. Tellement de choses qui ne servent à rien. Mais bon, bref. Attends, le live ici également du coup. C'était une bonne soirée tout le monde. Ciao. Wouh.